Et bonjour à tous, ici Hugo pour la suite de notre journal de bord sur No Man's Sky. Nous arrivons dans un petit vaisseau amiral qui passait totalement par là. Et on va, on va juste le regarder, hein, histoire de voir si on peut apprendre des choses. Est-ce que je peux te causer? Je ne peux pas te causer, c'est très triste. J'avais envie de parler avec toute entité vivante. Alors. Ah, Yuan, commandant. Bienvenue, divergent entité. On commence à se comprendre. Que cette tête faire une offre pour le cargo. Oh! 13 millions! Ah, je ne les ai pas! Vois-tu? Je ne les ai pas. 13 millions, c'est beaucoup. Tu veux pas de la thune plutôt? Ah, malheureusement, j'ai pas cet argent. Il va falloir que je trouve un cargo autrement. Analyste des échos. Ok, toi tu es une entité, peut-être que. Ok, non, je peux pas interagir avec eux. C'est pas mal cet endroit parce que, bon, déjà ils me laissent rentrer totalement gratuitement, c'est très sympa de leur part. Mais. Qu'est-ce que. Y a pas un petit truc avec lequel je peux interagir là? À part eux, qui répondent à moitié pour le coup. Oh, ça a de la gueule quand même. Oh, ça a bien de la gueule quand même d'avoir son petit cargo là! D'être au-dessus des planètes comme ça, de chill. Ouais, ça je peux pas regarder forcément. C'est bien beau de me faire des signaux, mais je peux te converser avec toi. Bon, 13 millions, il faudra économiser, hein. Je suis trompé de côté. Évidemment. Allez, repartons. Faisons un petit peu des missions un peu sérieuses. Oh, ça a quand même de la classe, l'espace dans le jeu. On va pas se mentir. On va pas tortiller. Ça a quand même de la classe. Alors, c'est par là. C'est quoi? C'est où? C'est sur la planète? C'est où? Oula. Ah là. Voilà, merci, il m'emmerde. Mais j'aimerais bien voir, est-ce que c'est. Attends, on va quand même regarder autre chose. On va regarder toi. J'aimerais savoir où tu es, colonie. Colonie planétaire localisée. C'est sur la même planète ou pas du tout? Non, c'est pas là, c'est. Elle est là-bas. Non, c'est sur une planète complètement différente. On pourra y aller après. Non découvert en plus. Allez, on finit ça et après on ira à la colonie. Autant y aller direct, on va pas se. Pas s'embêter. Ah, la distance d'affichage douloureuse! Alors. On va essayer de choper un gros machin qui serait à côté. Parce que quand c'est approximatif, c'est que. On tient déjà ça, hein. Ça m'a l'air pas mal comme truc approximatif à étudier. Déjà ça. Le mot dent encore vague, parfait. On apprend, on apprend. On devient plus intelligent, plus culturé. On va être quadrilingue à la fin de la partie. Alors, vestige de Ralopréfac. Monique Corvax. Des pustules avaries sur. Ah, d'accord. Jamais aller. Attendre. Extinction système, j'ai reçu une sorte de test, une récompense se matérialise. Vous avez pris le mot l'Atlas en Atlas. Très bien. Excellent. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ils toléreront une requête. Oh, tiens, prendre le Corvax. Qu'est-ce que je. Oh, les beaux vaisseaux. C'est où ça encore? C'est pas à côté, mais ça a l'air intéressant.
Ok, pas moyen de... Alors... Par là donc. Ah bah oui, là. Oui, bon, ça va, le système de survie va survivre. Hein. Ah, il va y avoir des gens à qui je vais devoir parler ici. Bon, j'ai quand même de la chance. Je suis tombé pour pas mal de trucs intéressants sur un truc relativement pifométré. Sur quelque chose, pardon, pas un truc. Relativement pifométré. Est-ce que je peux atteindre là-haut ou est-ce que je suis deg? Oui, pitié. Oui, pitié, merci. Tiens, échangeons avec cette entité. Donc, j'ai pas de... Je dois améliorer mon rang de réputation. Sérieux? Oh. Bon, très bien. Tout ce qu'on pourrait faire. T'as arrêté pas ça pour son paquet de réputation, ça donne à ses passe-temps. Intérieur scientifique. Ok, alors désolé. Pas tout de suite. Attends, toi, t'es utile, toi. Oh oui. Commerçons. Je crois que je dois peut-être un truc intéressant à vendre. La géode, non, je vais la garder. La relique chèque, je vais la garder. Le fessium, on va le garder. J'avais pas des. Ah, oh, ça doit être dans mon vaisseau. Poutrelle. Bon, je vais pouvoir le ramener, non? Ici, là, mon vaisseau. Impossible d'atterrir ici. Il se fout de... Il y a une plateforme d'atterrissage, il me dit qu'il peut pas atterrir. Cela ne me fait pas plaisir. Allez hop! Au pied. Bon. Si je comprends bien, pas toi. Il faut que j'améliore l'estime qu'elles ont de moi. Il va falloir faire des missions du coup. Ça! C'est toi que je veux. Grande valeur. Ah, il est courant. Et dans ça, il n'y avait pas rien d'en avoir besoin. Mais ça, par contre, je vais te vendre toi, je pense. L'or, c'est bon qu'à être vendu ou ça sert à autre chose? Non, je crois que j'en ai eu besoin. Je crois qu'à un moment on a demandé. Ok, ça aussi ça a l'air utile. Ok, c'est parti. Je m'y suis mal pris, je m'y suis mal pris, je m'y suis mal pris, je m'y suis mal pris. Aïe. Je mérite ce qui vient de m'arriver. Oh, quelle honte. Ouais, donc j'ai su un petit gel de survie parce que là. Pas pour tout de suite du coup. Oui, bon, ça va, je vais aller bien, vous inquiétez pas. Maintenant, je peux vendre ou toujours pas? Littérature hantée, 1 million. Allez hop! La thune! Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais acheter, genre du câblage? Des câbles. Un petit jeu d'hydrogène, tiens, là j'en ai besoin. Non, rien d'intéressant. Bon, bah du coup on va regarder ce que c'est que cette colonie et cet autre machin là. Attends, ça c'est quoi ça par contre? Dès qu'il y a un dépôt à côté, faut jamais le perdre de vue. Dépôt de sel. Je sais pas si tu vas me servir, mais dans le doute... Dans le doute, il faut point douter. Et il y a de l'hydrogène pas loin. Du d'hydrogène. On sait jamais quand est-ce qu'on peut avoir besoin de sel, donc autant.
tout prendre dès qu'on en trouve. Région de la planète Nouvelle Sougar. Voilà. Non, scanner là. Allez, le dihydrogène. Petit pack, tu. Elle va me faire chier. C'est pas moi. Je me pète les chevilles à chaque fois. Débilement. Putain, mais j'ai fait le monolithe, là, j'ai fait tout et ils sont pas contents. Ils ont pas assez d'estime de moi. C'est quelque peu avec ça. Donc, voyons voir ce que c'est que ce chose. J'ai bien envie de voir ce que c'est que cette espèce de portail là. Et normalement, je devrais avoir assez. Là, je vais quand même récupérer assez. Même pas. Putain. Merde. Couillonus. Ok, ça devrait être assez là quand même. Voilà, merci. Et... merci. Oui, merci. Excellent. Alors, mon vaisseau. Mon vaisseau est là. Non, pas la colonie, d'abord le portail. Et après la colonie. Non, là-bas. Tout est à peu près dans la même direction, j'ai l'impression. Ça va être long. Hop. Déjà ce petit portail secret là. J'ai jamais fait ça les portails. Qu'est-ce que ça vaut? Après il y a une petite colonie qui nous attend. Alors. Ok, non, je crois que c'était cet énorme truc qui faisait office de structure. Et il y a un autre dépôt de quelque chose truc machin. C'est un dépôt de quoi? Celle, évidemment. Bon. Alors, ce portail, qu'est-ce qu'il m'offre? Il n'y a pas de pierre de savoir, mais bon. Ce qui m'amène à un endroit chelou. Oula. Souvenir de Exikawa. Oula, bah, je sais pas, ouais, tu... ça. Ok. Cuivre. Ok. Carbone. Ok, sodium. Ok, glyphe, un petit peu de sel, tiens. Cuivre, toujours. Carbone encore. C'est tout le temps les mêmes trucs, ça devrait le faire du coup. Redu sel, un petit coup.
cuivre, je devrais avoir assez de cuivre. Non, pas oxygène. Ok, sodium encore. Sel, j'en ai récolté plein, donc cuivre. J'espère que j'en ai assez. Ouais, ça devrait le faire. En vrai, ça devrait le faire. Hop. Et ouais, le nitrate, j'en ai 50. Putain, tout ce que tu me demandes, tu sais le temps que ça prend. Anomalie, 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 anomalie. Le portail se met à luire, ce qui m'empêche d'en apercevoir tous les détails. Je dois me concentrer. Activer portail. Entrer la séquence. Quoi? Bah, j'ai pas les glyphes du coup. Bah, je sais pas quoi va me servir ce truc. L'instant c'est vraiment le souhait, je gagne les points contre eux, mais c'est avec accentué dans la tête que je vais essayer, je dois le faire vite. Trois visages, un vaisseau, d'accord, mais. D'accord, mais j'ai pas ces espèces de glyphes là. Bon. Bah, ça va rester un mystère pour le moment, du coup. Comment je peux t'indiquer comme un truc très important à ne pas oublier, toi? Parce que je vais t'oublier. Je vais oublier où t'es, là, je vais me réenvoler, je vais plus te retrouver. Bon, ça, c'est une colonie. Mettre ça, mais oh là, par contre, oh, excusez-moi quelques instants. Là que j'ai mon éclairage nocturne qui s'est calibré, c'était un petit peu douloureux. Oula, oula, t'arrêtes pas. Bon, bah, allons à la colonie planétaire. J'imagine que ça servira à un moment donné. La colonie planétaire qui est sur une planète, du coup. Oui, oui, oui. Des cargos. Hop là! Oh, c'est sur une lune! Racine gamma cure activée. Ça. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut à ce prix là? Allez hop, cassez, 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 cassez. Merde, je me suis trompé, je croyais que c'était cassé déjà. Allez hop. Et le petit dernier là. Allez, allez. Voilà. Saleté. Alors, signal de détresse. Je te rends son, je suis ouvert à la liberté. Le vaisseau de puissance de mes messages dans le box sans fin. Ce message était débré temps, mais ils ont encore des coordonnées récupérables. Ah, coordonnées. Un système de navigation, il n'y a aucun position de vaisseau. Donc, il va falloir demander la position d'Artemis. Estime améliorée. Ah, maintenant il m'aime. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Vaisseau abandonné. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'ai-je en fait ce vaisseau du coup? Attends le.
Ah, la musique, elle est à peine stressante. Atteignez les coordonnées indiquées, bah c'est ça. Choper un trou noir, moi. Alors, je décorderai dans un autre espace. Oh la vache. Oh la vache. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, il est où? Il est où le trou noir là? Putain, il est pas à côté, hein. Ok. Bon, ça fait des choses à découvrir. Et là, j'ai du coup une étoile avec un truc. Je ne saurais dire si c'est corrompu ou quoi, mais observez encore, très bien. Hop, 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 ponk. Attends quoi? Comment ça fait ça hostile? Pourquoi hostile? C'est lui qui m'a attaqué! C'est lui qui m'a attaqué! C'est lui qui était hostile! Bon, j'ai peut-être tapé dans le truc et qu'il fallait pas. Bon, on va aller là-dedans juste pour se mettre à l'abri. Hein. Voilà. Ok. Bon, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs à récupérer par ici tant que j'y suis? Toi, tu s'échanges des trucs, nanit nanit. Ok, non, apparemment j'ai rien découvert d'autre qui peut l'intéresser, peut-être lui. Je pensais qu'en explorant ça allait suffire. Et ben voilà, 150, ça fait plaisir ça. Alors, je peux acheter des choses ici. Non, c'est 6-9, ça c'est les recettes. Les recettes, ça c'est très très pratique. Oh, j'en ai tellement. Cadmium, par contre, ça j'ai pas. Tout ça, à mon avis, tant que j'en ai pas besoin, autant ne pas m'emmerder. Ça c'est faisable. Je dirais que tant que je suis pas capable de les construire, je vais pas les débloquer. Non, pas utile. Pas utile, je pense pas. J'ai de la place dans quoi encore? Le vaisseau et le multi-outil peut-être. Est-ce qu'il y a un truc du multi-outil qui peut m'être utile là? Qui ajoute l'analyse de terrain en temps réel au réseau de bailliage. Les ressources de terrain cachées. Oh. Ça peut être utile. Ça c'est pour le combat. Ça c'est pour plus de ressources extraites. Et ça c'est pas mal. En plus je peux le faire. Je peux le construire. Ça va me coûter cher, hein, mais je peux le construire.
par contre, le reste, bah ça j'ai plus la thune. Bref, du coup, non, on va rester là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Exo combinaison, ouais, j'ai plus de place en vrai. Recherche de construction, est-ce que j'ai débloqué de données récupérées 5? Je crois que je peux rien acheter avec ça. Ouais, à part la station de soins là. Pof, pof, pof. Je pense pas avoir quelque chose d'ici. Ouais, non. Et le vaisseau. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi au niveau du vaisseau? Cerveau de marcheur. Oh, va falloir taper microprocesseur. C'est pas mal ça. Oh, ça c'est très intéressant ça. Ça, pour le combat, tout ça c'est pas mal. Miroir solaire, antimatière, ça se fait. Quoi? Améliore les aimants au cœur de l'hyperpropulseur, ce qui évite tout désassemblage soudain lors d'une tentative d'accès à des corps stellaires rouges rares. Ah, ça me permet d'accéder à de nouvelles choses, d'accord. Pour proposer que les désassemblages instantanés, les systèmes habituels sont bloqués par un combat de vaisseau. Ah, ok, ça permet de m'enfuir. Pas mal. Immersion pour le capteur et chez Gatti, tu es où? Ah, vaisseau, tata, l'économie. De conflit. Sans avoir à se mettre en danger. Je vais économiser pour les autres trucs. Il y a pas mal de trucs intéressants pour lesquels je peux me permettre d'économiser. Ouais, la perceuse, ça c'est bien ça. Mais là pour les faire quoi, le miroir solaire. Je l'ai acheté même. Je peux en faire combien? Bon, j'ai pas autant d'or et d'argent que ça. Déjà 1. J'en ai au moins. Et l'ordinateur quantique. Il était là. Antimatière et microprocesseur. Va falloir des ressources, hein. Je vous cache pas, il va me falloir de la ressource. Oh oui, je peux me servir du double saut ici, là. Oh oui. Oh, joie, bonheur, euphorie. Et tutti quanti. Bon, on va se concentrer sur la mission. Non. Faut que j'augmente ma réputation. Et là qu'il y a un nouveau cargo qui arrive. Bon, je me l'achèterai en temps voulu. Allez, bouh. Uranium, sodium. Putain, il y a trop de trucs ici. Elle est géniale cette lune. Faut que je la garde. Cuivre activé. Je sais pas ce que c'est. Genre la Pandora, ça. Je vais en faire ma base, à mon avis. Une de mes bases, pour être précis. Ordinateur de base. Ok, voilà, oh, musique, elle se déchaîne. Oh, par contre, oh putain, c'est la région nucléaire, quoi. Ok, très bien. Oh putain, oui, c'est extrême, d'accord. C'est une bonne nulle, mais moyenne. Et je suis dans l'enceinte de la colonie.
C'est pour ça que je peux rien construire. Bon, qu'est-ce qui n'est pas dans l'enceinte de la colonie? À l'intérieur de la base existante. Ok, d'accord. Donc peut-être qu'en allant dans cette colonie, je vais en découvrir davantage. Oh, les bugs là! Doucement! Allez, dis-moi qu'il y a un bâtiment dans lequel je peux rentrer. Attends, l'éclaireur là. Bah oui, qu'est-ce que vous faites là? Plaît-il? Oh bah, vous vous défendez pas trop, les gars! J'ai l'impression que c'est pas très puissant. Je vais essayer comme ça. Pourquoi je vois pas leur point de vie en permanence? Ah! Alors, c'est un peu brouillon. Pourquoi je tire par à coup, moi? Ah, voilà, merci. Je suis seul à défendre, c'est ça? Il faut que je leur tire dans le dos, qu'est-ce qu'il faut que je... Espèce de corne là peut-être? Donne-moi un truc auquel je peux m'abriter. Merci. J'ai l'impression qu'il meurt jamais. Alors je peux construire des munitions ou pas? Ouais, projectile. Ouais, voilà, merci. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah voilà, merci, encore un. Bon, en tout cas, les gars de la colonie, ils s'en foutent un peu, hein. Des dégâts ou pas? Ah. Faire des plus. Ok. Bon, on va pas fabriquer plus du coup.
Ok, ça va. Et il m'en reste plus beaucoup là, il m'en reste deux. Ouais, on va voir si ça peut faire un peu de boulot aussi. Dès que c'est bien surchargé, ça va faire mal quand même. Voilà. Et le petit dernier là-haut. Tu vas essayer de me cramer, toi, tu vas faire quoi? Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. Voilà. Pouf. À toi. Ne me remercie pas pendant que tu fais tes petits trucs. Je suis en train de sauver tout le monde. Épuisé par le combat, etc. Sinon. On va essayer de les aider. Oh, faut que vous foutiez ça au milieu de là où il y a un temps de merde. Alors, interface de superviseur. Accès autorisé. Disparu, décédé, vacant, postulé pour être superviseur. Population 39 citoyens, bonheur 16%. Productivité, pas beaucoup, niveau alerte sentiment, coût de la maintenance. Coûtez cher les gars. Nanorobot en abondance, échec du réseau, prototype, ok, eau non potable. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, genre ça? Colonie endettée, rembourser dette avant de relancer la production. Comment je rembourse la dette? Déjà, j'ai combien de thunes? J'ai largement de quoi rembourser leur dette. Du coup, je fais comment? Perdu dans ses pensées. Bah, génial, mon gars. Génial. C'était pas là. Et il reste à l'extérieur. Nuage radioactif de ouf, il reste à l'extérieur. Très bien. Alors, terminal de construction. 210. Allez, hop, c'est parti. Il est en cours de construction. Oh là, ça va vite là. Oh là, c'est puissant là. Bon, on va pas mal cette planète colonie. Ah, c'est une bonne façon de finir le let's play de stream. C'est que je vais commencer. Moi, je vais juste attendre que la construction se termine. Et on va voir ce que ça propose. Et après. On va arrêter le flame. Ok, on dirait que ça c'est fini par contre. Condition ex. Non, ça c'est pas fini. 45 secondes encore. J'espérais. T'as des choses à dire toi ou pas du tout? Ok, les Corvax. Mais si j'ai une colonie Corvax, est-ce que a priori ils vont m'aimer davantage? A dû finir de construire là. Ah ouais, d'accord. Oh oui, c'est la. Cette lune, c'est la totale fin du monde en fait. Bon. Bon, on va voir, hein. C'est pas très grave. Placer un plaquage métallique. 5 plaquages métalliques, oh la vache. Mince, je me trompe dans mes touches, excusez-moi. 5 plaquages métalliques, mais il va me falloir de la ferrite là. Alors, plaquage métallique, oh évidemment j'en ai pas du tout. Alors, la poussière de ferrite, en soi je peux prendre de la ferrite pure et la transformer en poussière de ferrite. C'est faisable. Est-ce que je peux construire à l'intérieur? Alors, on va y foutre comme d'hab ça. Et qu'est-ce que tu fais toi? Bon.
Non, 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 non. Si je mets de la ferrite magnétisée, tu me dis quoi? Tu me refais de la ferrite pure. Ok. Et si je te mets de la ferrite pure? Tu me fais de la ferrite magnétisée. C'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Si je mets du sel, ça fait du chlore, oui. Merde. Si je mets de la pyrite, ça fait de la poussière de cérite. Est-ce que j'en ai besoin? Bon allez, j'ai besoin de pierre poussière de cérite là, donc autant y aller. C'est pas grave, la pyrite ça se retrouvera sûrement ailleurs. Bon, sur ce, je vous dis ciao à tous et à la prochaine, c'est la fin du stream. Merci à tous d'avoir regardé. C'est rien, je vous embrasse, je vous souhaite la bonne santé et ciao à tous, à la prochaine.